Voilà pour la présentation des deux hommes. On va pouvoir attaquer ce combat. Moins de 70 kilos, catégorie des légers. Allez, cinquième combat de cette soirée. Allez, messieurs, on aimerait bien un KO, une soumission. Ce ne serait pas pour me déplaire. Monsieur Loïc pour l'arbitrage, c'est parti. Allez. Donc Kevin avec le short noir. Morgan avec le short gris. À des athlètes très mobiles sur leur pointe de pied. On a vu des combattants statiques. Là, c'est léger. Ah, c'est deux écoles différentes, hein, Greg. Léger sur ses appuis. Pour la mobilité ou ancré pour la puissance. Voilà. Allez, bon low kick. Les bras avant partent vite. Donc le bras avant qui est toujours une arme maîtresse, que ce soit dans la boxe ou dans le MMA. Mmh. Ça perturbe, ça fait mal, ça permet d'enchaîner ensuite plus facilement. Ça permet également de trouver la distance. Exactement. La bonne distance. Alors on a vu des combattants hein, gagner des combats uniquement avec leur jab. Je pense à Georges Saint-Pierre, notamment. Tu y pensais aussi. Exactement. En tout cas, il y a un bon pressing là, de Morgan. Oui, Kevin qui est un peu trop, qui s'est un peu trop coincé là, dans la cage. Ah, le bras avant qui part bien là pour Kevin, qui travaille plus en ligne droite. Oh, oh, beau contre là de Kevin. Et Morgan qui ne recule pas hein, et ne bronche pas. Morgan qui met le pressing. Ouais. Le high kick est bloqué. Alors maintenant, il y a aussi son homme de coin qui lui met un peu la pression. Hein. Il lui dit, tu bouges pas, tu recules pas. Il faudra que Kevin fasse attention. Son bras gauche... Il ne le ramène pas très vite et vers le bas. Et bon travail au corps là de Morgan. Morgan, pardon. Et Morgan qui envoie des bons low kicks également. Ouais, mais il y a un gros pressing. Hein. Très gros pressing. Là, Kevin qui essaie de sortir. Mais tout de suite, voilà, il se laisse. Oh, et le contre! Et la balle d'accélère Kevin, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin, c'est terminé, KO! Quel KO de Kevin Fall! Incroyable! Alors il y avait le pressing de Morgan dès le début. Et derrière Kevin qui le contre avec ce crochet magnifique, l'accélération. Et l'arbitre qui fait bien s'interposer. Ah ouais, un bon bras arrière pour le sonner. Et il le termine avec un crochet gauche et une rafale de coups. L'arbitre qui a mis un petit peu de temps avant d'intervenir. On a vu la tête de Morgan dinguer dans tous les sens. Inspecteur, une chaise. Une chaise. C'est un chaos propre et sans discussion. Mais quel contre hein. On s'y attendait pas en plus, non, Greg. Non, non. Kevin qui était sur le reculoir et puis voilà. Il a, comme on le disait tout à l'heure, il a ancré ses pieds dans le sol. Il a envoyé ce contre qui a déstabilisé complètement Morgan. Et derrière, l'accélération, bien sûr. Il a bien senti hein, qu'il avait touché son adversaire. Ça, c'est les coups les plus dangereux, c'est les contres. C'est-à-dire que l'adversaire. Non, pour l'instant, c'est vous qui gérez, c'est pas à son point. C'est pour l'instant. À ce moment-là, vous le frappez. Il récupère, il s'assoit. Il vient s'empaler en fait sur le coup, hein, quelque part. C'est comme deux voitures qui foncent l'une vers l'autre. Ça démultiplie les puissances. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, Kevin Fall qui a très bien contré. Et ensuite, qui a utilisé ce moment de perdition chez Morgan Hero pour le finir avec un magnifique crochet gauche. En pleine mâchoire. Et ensuite, bon, bah, ça a l'air cruel comme sport, mais tant que l'adversaire n'est pas KO, il faut continuer à le frapper. Ah, c'est l'arbitre après qui est en charge hein, dans la cage. De la sécurité des athlètes. Et là, on voit le staff médical qui s'affaire à prodiguer les premiers soins à Morgan, qui est debout, et on en est ravis. Hein. Très beau contre du bras arrière. Waouh, quelle victoire pour Kevin. Et le crochet gauche qui vient sceller une victoire par KO de Kevin. Je vous rappelle, hein, Kevin qui sortait d'un combat un peu en demi-teinte lors du premier MMAGP. Match nul contre Nicolas Di Franco. Et là, ce soir... Et ce soir, il a équilibré ses compteurs et il passe à 5 victoires, 5 défaites. Et ce soir, c'est la victoire... ...ce combat par KO dans la première reprise. Kevin Fall. Bravo Kevin. Victoire par KO pour Kevin Fall dès le premier round. Alors, ce qui est intéressant, Greg, c'est que tu avais demandé juste avant ce combat.